chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu es. Oh, tu m'as racheté. Tu m'as positionné en Christ. Je veux chanter. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et que de ma vie sorte un son, une mélodie à la gloire de mon roi, de mon sauveur. Je veux te dire combien. Je veux te dire Jésus. Je veux ce matin prendre le temps. Je veux chanter. Pas une chanson, c'est une adoration, c'est un vase qui se livre et qui s'abandonne. Seigneur, je ne retiens rien, je me livre, je veux te dire Jésus, je suis heureux. Reconnaissant, tu m'as appelé de ton nom. Je ne peux pas. Chaque appelé de vos sacs à la main. Je suis heureux. Reconnaissant, je n'étais rien, mais tu as fait de moi un enfant de Dieu, un racheté, un technote, un héritier, un justifié, un pardonné. Je suis heureux. Tu as fait de moi quelqu'un, la personne la plus importante sur tes habitants. Je suis désormais le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Je suis heureux. Lorsque je médite ces choses, je reconnais que je suis privilégié. Même les anges m'admirent, même les anges envient. Ils veulent plonger leur regard dans ce mystère de Christ. Je suis heureux. Reconnaissant. Je ne suis pas n'importe qui. Non. Un chef de Dieu. Je suis heureux. Je suis privilégié, je suis distingué, je suis honoré, je suis béni, je suis pardonné, je suis réconcilié, je suis bien-aimé, je suis racheté, je suis glorifié, je suis sanctifié. Je suis heureux. Lorsque je médite, lorsque je cogite, lorsque je réfléchis à ces choses, je ne peux pas être à terre, je ne peux pas être abattu, je ne peux pas être désespéré, non. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis heureux. Je suis heureux.
je suis heureux. Ne me laisse pas être ailleurs. Ne me laisse pas demeurer. Ne me laisse pas demeurer dans le péché. Ne me laisse pas être dans le péché. Ne me laisse pas être dans le monde. Je veux être en toi, caché avec Christ en Dieu. Domicilié, fermement, enraciné, portant du fruit et croissant à tous égards par la connaissance de Dieu. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Si ce n'est quand tu vas. Accorde-nous la grâce de demeurer. Accorde-nous, Père, d'être enraciné. Accorde-nous de nous réfugier. Accorde-nous d'être à l'abri. Accorde-nous d'être fortifié. Accorde-nous d'être vivifié. Accorde-nous d'être enlacé. Accorde-nous d'être lié. Esclave du péché, mais esclave de ta justice. Non pas esclave de la souillure, mais de ta sainteté. Fais-le à l'intérieur de moi. Fais-le par ton esprit. Les chandelles, les pailles, les mots. Pas ailleurs, non. Pas dans les bras de la publicité, pas dans les bras de l'inquiétude, pas dans les bras de la chair, mais dans tes. Pas dans les bras de l'amour du monde, pas dans les bras de la sorcellerie, pas dans les bras du mensonge, pas dans les bras de l'esprit d'infirmité, de l'esprit de vol, d'adultère. Non, mais dans tes. Tout près de toi. Je ne sais pas pour mes voisins. Contre ton cœur. Et je veux demeurer. Tout près de toi. Je ne veux pas demeurer ailleurs. Contre ton cœur. Personne d'autre ne doit me commander. Tout près de toi. Personne d'autre ne doit m'habiter. Contre ton cœur. Personne d'autre ne doit déposer son dépôt. Tout près de toi. Personne d'autre ne doit me fortifier. Contre ton cœur. Personne d'autre ne doit me contrôler. Personne d'autre ne doit m'affermir. Personne d'autre ne doit me tenir. Non, personne d'autre ne doit me vivifier. Personne d'autre ne doit me donner sa vie si ce n'est Christ. Je renonce à la vie du diable, les maladies, la mort, le péché, la séduction. Non, accorde-nous même de résider. Accorde-nous d'être affermi. Accorde-nous de porter du fruit. Tout près de toi.
peut ressentir son feu dévorant. C'est là qu'on expérimente l'attouchement. Lorsqu'on est connecté, il va malade de vos bonnes. Il chacun l'a des mots. C'est là qu'on expérimente la gloire de Dieu. C'est là que la gloire veut l'éteindre sur moi. C'est là que son caractère veut l'éteindre sur moi. C'est là que sa plénitude veut l'éteindre sur moi. C'est là que son feu me saisit. C'est là que son sel me rend inarrêtable. C'est là que le sel de sa maison me dévore. Tout près, tout près, tout près, tout près. Chala, chale les rameaux, mi camarade. Tout près, tout près, tout près, tout près. C'est là qu'il a tiré cette place à la hardiesse. La tiré cette place à la ferveur. La mollesse, cette place à la hardiesse. C'est là que la mort, cette place à la vie. L'indifférence, cette place à la sensibilité. L'endurcissement, cette place à la douceur. À la douceur de Dieu. Le péché, cette place à la sainteté. Lorsqu'on est connecté, tout près, tout près, tout près, tout près. Il va valer les quais dans la barosse. Positionne-nous. Positionne-nous. Il y a un panier et un panier. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Le secret des gens qui sont transformés par la gloire de Dieu, c'est que dans ce genre d'atmosphère, ils n'ont pas des yeux ouverts à cœur, comme s'ils regardaient un spectacle ou un mystère. Mais ils profitent de ce genre d'atmosphère pendant que d'autres supplient pour eux-mêmes supplier. Tu n'es pas là, hein, quand c'est en train de me regarder avec des yeux comme une pastèque. Non! C'est l'opportunité de crier à Dieu, comme Jacob a crié à Dieu pour dire non. C'est là que tu en es tout près. Je n'attends pas de toi et tu n'attends pas de toi que tu contemples la scène. Il attend de toi que tu fermes les yeux et que tu contemples le roi, sa majesté. C'est le moment où tu dois prendre le temps de soupirer et de gémir. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Baillez dans la bouche. Tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près, tout près. Je ne sais pas pour tout le monde, mais nous sommes une poignée à dire, c'est le temps où ta gloire doit atterrir. C'est la saison, c'est la période, c'est la saison. Ta gloire doit atterrir à la capitale. Ta gloire doit atterrir dans nos vies. Tout près. Malgré les repas, il y a la main. Au-delà de nos mots et de nos prières, ne nous laisse pas où nous sommes. Au-delà de nos supplications, Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes. Amène-nous à la tangibilité de Christ.
a vécu à l'expérience de Christ, à une vie de démonstration d'esprit et de puissance, à une vie de réalité de Christ, pas à une vie de religiosité, non, non, mais à une vie du règne de Dieu sur la terre. Fais-le en nous, tout à coup. Peut-être que certains sont rassasiés, mais nous, nous ne sommes pas rassasiés. Nous demandons plus, 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 jusqu'à ce que ta gloire nous envahisse, atterrisse, remplisse nos pays, bombarde la société, envahisse les sphères d'influence, afin que tu sois reconnu comme Dieu, afin que ton nom soit sanctifié, et que les nations, non seulement viennent à toi, mais deviennent des disciples, des propagandistes, des propagateurs, des zélateurs, des suiveurs, des imitateurs de Jésus. Pas seulement des chrétiens dans l'église, mais des imitateurs de Dieu. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Fais-le en nous. Nous ne savons pas le crier, nous ne savons pas l'exprimer, mais nous t'implorons. Il est hors de question de rester au stade où nous sommes. Non, non, non. Allons à la rencontre du Saint-Esprit. Dans les dimensions du Saint-Esprit. Exauce tout à mort. Entends ces cris de soupir. Ne nous laisse pas dans la misère religieuse, de la routine, d'une vie où rien ne se passe, non. Emmène-nous à manifester une vie de démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Malekatama. Afin que ta signature et que ta réalité soient palpables, visibles. Et qu'il ne soit plus possible de dire que tu n'existes pas. Parce que l'on aura constaté tes œuvres. De la même manière qu'il est impossible de dire que le vent n'existe pas. Parce qu'on voit les effets du vent. On reconnaîtra et on attestera ta réalité. Parce qu'on verra les effets de ta présence. Fais-le infiniment abondant. Au-delà de ce que nous te demandons. Au-delà de ce que nous imaginons. Par ta puissance qui agit en nous. Esprit de Jésus, nous t'accueillons. Esprit de Jésus, nous dépendons de toi. Esprit de Jésus, nous te supplions. Oh, toi seul fais la différence. Toi seul rends-nous amoureux de Jésus. Toi seul change et circoncis nos cœurs. Inspire ce moment, envoie ta parole. Ah, tu sais, nous ne savons pas parler, mais nous t'implorons, fais la différence. Que la capacité de Dieu agisse à travers l'incapacité humaine. D'avance, nous te rendons la gloire. D'avance, nous te rendons l'honneur. D'avance, nous te rendons la louange. D'avance, nous te rendons l'action de grâce. D'avance, nous te transférons la gloire. D'avance, nous te disons reçois, reçois. Pour ce que tu manifesteras dans nos vies. Pour ce que tu manifesteras à travers nous. Reçois paix, notre gratitude. Reçois d'avance notre acclamation. C'est une expression de gratitude. Malgré les climats, la robot, les rébos. Malgré ta brasse qui est la bonne. Prenez le pas, j'allais les rebosser. Liga Maria la rabo. Mais les bros, c'est la maman de l'héros. Jamais les rebos. Liga Maria qui est la maman de l'héros. Rassai Kamala de l'héros. Liga Maria qui est la maman de l'héros. Allez la marche, allez la marche. Prochez que mal est le mot.
dans tes bras Macabale de l'épo, wow, 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 nous te recevons, nous nous blottissons dans tes bras, nous nous laissons porter ou attacher, dans tes bras, nous nous laissons bâtir et enraciner, dans tes bras, nous laissons bâtir et entraîner. Nous nous laissons éduquer et enseigner. Nous te laissons la place et tout l'espace. Dans tes bras. Dans tes bras. À le culte que nous désirons. C'est ce que Caïn a voulu faire. Il a voulu t'offrir ce qu'il voulait et tu as rejeté son offrande. Accorde-nous la grâce de t'offrir le culte que tu agrées. Mais pour cela, il faut que toi-même, par ton esprit, tu sois l'initiateur, tu sois le conducteur, tu sois le commencement et tu en sois la fin. Tu en sois l'alpha et que tu en sois l'oméga. Nous sommes d'accord avec cela. Nous demandons, Esprit de Jésus, enveloppe-nous, étends ta main, fais la différence, mets les caméras sur Jésus. Qu'un perdu soit retrouvé, qu'un malade soit vivifié dans son corps, qu'un faible soit fortifié, qu'une personne tombée soit relevée, qu'un abattu soit consolé et redressé. Que tes œuvres soient manifestées. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que Christ soit formé. Que Christ soit révélé. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom le plus excellent, le plus magnifique, le plus glorieux, le plus merveilleux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Tu seras formé dans notre postérité. Amen. Inch'Allah, va guérir les mots. Tu seras glorifié dans nos vies. Amen. Tu seras glorifié dans l'église. Amen. La France te reconnaîtra. Amen. La francophonie te reconnaîtra. Amen. Ton influence vers se répandra. Ta bannière sera plantée dans le pays. Amen. La bannière du règne de Dieu soit plantée. Amen. Ta main sera visible en nous. Amen. Le Saint-Esprit sera palpable en nous. Amen, 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 amen. Les nations afflueront à toi.
Amen. Le boss, Amen. Le chef, le fondement, le bâtisseur. Amen. Allez, les camarades, les télémans. Il va marquer les télémans dans le monde. Personne ne résistera devant ton nom. Aucun démon ne résistera à ton œuvre. Aucun esprit ne pourra nous résister. Parce que seul n'est plus nous qui vivons. Mais c'est Christ qui vit en nous. Présent par le Saint-Esprit. Tes desseins vers s'accompliront. Nous ne mourrons pas de maladie, non. Personne ne pourra affliger par un démon. Mais nous marchons dans la victoire. Personne ne pourra te résister lorsque ta gloire atterrit. Arrêtez les papas, arrêtez les mots. Emmène-nous de toi en toi. Mets le tampon de Dieu au fait sur nos vies, sur nos destinées. Que ça prendra. Mais Père, nous serons une génération qui par ta grâce te forcera à faire irruption dans les affaires des hommes et à être visible là où on a dit que tu n'existais pas. Les nations accourront et constateront. De même qu'ils constatent les tempêtes et les ouragans, ils constateront le souffle de Dieu et ses effets sur les vies. Et ils seront forcés de reconnaître que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas la science, ce n'est pas la chirurgie, mais que c'est la main et le droit de Dieu qui ont fait ce qui sera manifesté. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Nous croyons que par l'action du Saint-Esprit, c'est la saison. Merci. Personne dans cette église ne restera enchaîné par Satan. Personne! Personne ne restera dominé par le péché. Personne! Esprit de gloire, manifeste-toi. Tu as commencé, tu continueras, tu achèveras. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Peux-tu faire un amen plus fervent, plus chaleureux, plus fervent, plus chaleureux, et une acclamation plus fervente, plus chaleureux. Alléluia. Wow.
We thank you. Au nom de Jésus. Amen.